Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être encore au rendez-vous de cette matinale Nopinden. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jennifer Esmeralda Sativi, bonjour à vous aussi. Bonjour Roque Aurélien Akwainou, bonjour également aux amis téléspectateurs. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés et que vous avez la pêche. En tout cas, restez connectés parce que nous avons de très belles choses à découvrir avec vous. Ah oui, de très belles choses. Et le sujet de discussion aujourd'hui porte sur la procréation chez la femme. L'âge peut-il être une source de stress pour la femme, aussi bien pour l'homme, le mari, ainsi que pour les beaux-parents? Quel est le regard que la société porte sur une femme qui tarde à porter un enfant? Y a-t-il des solutions? Eh bien, nous avons invité des spécialistes et même une femme qui viendra en parler sur ce plateau, Jennifer. Absolument, une femme qui va nous donner son avis et pourquoi pas son histoire, mais aussi l'aspect sanitaire de la chose, comment y remédier, qu'est-ce qui peut être en est à la base et comment suivre ces genres de cas à la ROC. Effectivement, mais avant tout ceci, mesdames et messieurs, nous vous installons avec les merveilles du Bénin. Nous allons directement à Parakou pour vous présenter cette ville qui fait de plus en plus peau neuve. Et voilà, nous vous avons emmené à la découverte de Parakou à travers ces sites touristiques. Vous avez pu les voir. Nous avons présenté également les richesses culinaires de Parakou. Et moi, je rêve déjà de manger du toubani, hein, ce qui fait la particularité d'ailleurs de Parakou, Jennifer. Oui, Parakou a une richesse culinaire assez diversifiée et très importante. Mais vous savez, la plupart
plupart des sudistes, si je puis dire, lorsqu'ils vont au nord, à Parakou par exemple, tout le monde s'intéresse directement au Agon parce que c'est le mets qu'on retrouve le plus ici. Et il paraît que c'est beaucoup moins cher. Ah oui, c'est beaucoup moins cher. Une fois, moi, j'étais là-bas, j'ai demandé à ce qu'on me vende du Agon pour 500 francs. Mais, comme à Cotonou. Comme à Cotonou, je vous jure, je n'ai pas pu terminer. Alors qu'à Cotonou, rapidement, on termine et puis on demande en encore. Parfois. Bon, Liam provient de là-bas. Tchaourou n'est pas loin de Parakou, donc on produit assez d'Iam dans ces localités. Oui. Il y a de quoi. Hein. Et beaucoup, quand ils font le tour, préfèrent s'approvisionner et garder des fromages aussi. Absolument. Hein, ah oui, ce sont des produits qui sont en abondance dans ces localités. C'est pourquoi quand on arrive à faire un tour par là-bas, on revient souvent avec beaucoup de provisions. Même quand les parents, les amis savent que vous allez en mission dans le nord Bénin à Parakou, ils ne demandent pas grand-chose. Ils demandent « amène-moi du fromage » ou bien de l'Iam si on est en période d'Iam, etc. Exactement. Voilà, c'est ça. Hein. Pendant vos congés, essayez d'aller découvrir. Ne restez pas seulement à Cotonou, à Calavi, aux environs. Allez découvrir votre pays qui présente des merveilles, des richesses touristiques, des richesses culinaires également que vous avez pu voir à travers les belles images de Parakou, mesdames et messieurs. Alors, Jennifer Sativi, après cette installation de nos téléspectateurs et cette expédition vers Parakou, nous allons revenir dans ce studio et leur permettre aussi de démarrer cette belle journée du dimanche en beauté, dans le rire, n'est-ce pas? Exactement. Ah oui, c'est l'instant humour et nous avons réservé pour vous un gars que vous allez découvrir. Dans la ville de Douala, un homme marié a été retrouvé chez sa maîtresse, qui réside dans le même quartier que lui. Et pour sa défense, l'homme affirme que c'est l'inondation qui l'a emporté là-bas. Un reportage de Nathan Echo. 99 jours pour le voleur et un seul jour pour le grand patron. Tel un voleur, Père Watt s'est fait extirper de la maison de sa voisine par sa femme Mamie Nyanga. C'est à Douala, Makepe Misoke. Madame, qu'est-ce qui s'est passé? Parle, voilà le micro, le reportage est là, parle. Je parle quoi? Parle. J'étais tranquillement couché à la maison, je vois comment le torrent arrive, que zang, ça me ramasse. Pendant que je suis en train de partir, je vois les téléviseurs et les matelas passer. La télévision même d'abord, c'est d'abord arrêté chez le voisin. Moi, je ne sais pas, ça m'a seulement téléchargé, je suis allé me déposer sur le lit de la voisine. Pourquoi l'inondation là ne m'a pas aussi amené chez le voisin? Pewat parle. Mais peut-être que toi tu t'es accroché, moi je n'ai pas pu supporter. Le vent était tellement fort et aussi il y avait l'eau partout. Moi je ne connais pas nager, peut-être toi tu connais nager. Chers téléspectateurs de... Et voilà, c'est ça, la réalité. L'homme, il trouve toujours des arguments pour se justifier, n'est-ce pas, Jennifer? Il a trouvé de très... Son argument, c'est un peu abusé, là. Non, mais ses arguments tiennent. Il dit... Mais ça ne tient pas du tout. Il y avait les eaux de ruissellement qui emportaient les postes téléviseurs, les matelas et autres. Et puis et ça lui... l'a déposé sur le lit de la voisine. Et c'est sur le lit de la voisine, on va le retrouver. Il y a de l'exagération quand même. C'est ça, vous savez, au nom de la pluie, beaucoup... Pauvre pluie. Oui, mais vous savez, on est en saison de pluie, parfois il y a certains qui ne rentrent pas à la maison et disent, bon, la pluie m'a coincé quelque part, je ne pourrais pas rentrer. Non, et puis vous pouvez entendre les crépitements de la pluie. Bon, la femme aussi à la maison, elle dit, ah bon, faut pas te mettre sous la pluie, fais attention, reste là-bas. Oh, les pauvres. Franchement. Mais les hommes essayent de dire la vérité. C'est beaucoup mieux. Mais vous savez, comme je le disais hier... Oui, toute vérité n'est pas bonne à dire. Oui, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais parfois, c'est vous qui incitez les hommes à ne pas vous dire la vérité. Non, et à mentir. Non, pas du tout. Il faut assumer et dire les choses telles qu'elles sont. Vous pensez que s'il avait dit que bon, il a eu envie de faire quelque chose avec la voisine là-bas, il aurait eu mais la peine. Mais puisqu'il sait qu'il y a un risque, pourquoi le prendre? C'est ça. Bon, le risque a son prix et puis chacun en paye. Quand tu prends le risque, c'est que tu sais que tu peux assumer. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on va passer au clip du jour. Et le clip du jour que nous allons découvrir, il est de Sénat Noble, featuring avec
petit fardeau, n'est-ce pas? Exactement. Le titre, c'est « Demain sera beau ». Demain sera beau, c'est le clip que nous vous dédions ce matin. Veuillez découvrir ce clip. Gotcha.
magnifique, le petit Farno en vitrine avec Sénat Noble. Et il paraît que le petit, il est malvoyant, Jennifer. Tout à fait, il est malvoyant et il s'intéresse à la musique et il chante plutôt bien. Il chante très bien. Moi, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup dansé, surtout. c'est du gogoron, non? C'est le gogoron. Le gogoron, on danse comme ça. Voilà. Alors. Bon, on va leur demander de vous noter après. Moi, je préfère ne pas prendre le risque. D'accord, la partie de la note, c'est vers la fin de cette émission. On va voir entre vous et moi. Ce qui est sûr. Qui va bien danser. Je me prépare là. D'accord, très bien. Alors, c'est le moment, mesdames et messieurs, de passer au sujet de discussion. Aujourd'hui, nous parlons de la procréation chez la femme. Quand cela tarde à venir, est-ce que l'âge peut constituer une source de stress pour la femme ainsi que pour l'homme et les beaux-parents? Eh bien, que faut-il faire? Quel regard la société porte-t-elle sur ces femmes en attente d'un enfant? Mesdames et messieurs, c'est de cela que nous parlons juste après ceci. Ils sont déjà là, nous les avons choisis. Les profils ont été soigneusement étudiés, Jennifer. Absolument, et ils sont déjà sur ce plateau. Donc la procréation chez la femme, l'âge, une source de stress. Nous recevons sur ce plateau Rock un gynécologue que les téléspectateurs connaissent très bien. Bonjour docteur Komlan Agosu. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. Alors, en face de vous, nous avons une femme mariée, Madame Karine Chikoum. Bonjour à vous également. Bonjour, madame. Et Rock, nous aurons également un sociologue, une sociologue, plus précisément au téléphone, parce qu'il y a aussi le regard de la société, c'est docteur Tatiana Kongpa. Absolument, elle va nous dire pourquoi la société, parfois, n'est pas clémente envers les femmes qui sont en attente d'un enfant. Alors, madame, vous êtes femme. Lorsque la femme, toute bonne femme, désire avoir des enfants, lorsqu'elle arrive à avoir un homme avec qui elle partage sa vie, mais ce qui devrait leur donner la joie tarde à venir et que l'âge avance, est-ce que cela constitue un stress ou bien c'est comme s'il n'y avait rien du tout? Merci, monsieur. Dans notre société, surtout en Afrique, principalement au Bénin que je connais mieux, la réussite sociale réside dans le fait d'avoir, de se marier d'abord et d'avoir une famille, comme vous venez de le dire. Et à partir d'un certain âge, quand une femme, sinon quand un couple n'a pas encore, ne serait-ce qu'un enfant, il est tout de suite étiqueté. Mais généralement, vous dites un couple. Le couple, c'est le couple en général. Oui, le couple est étiqueté. Le couple en général et la femme en particulier. Exactement. On ne voit pas souvent l'homme, mais c'est la femme qu'on pointe du doigt très souvent. Et surtout, lorsque son âge avance, est-ce qu'elle-même ne se remet pas en cause? C'est elle qui se culpabilise ou c'est elle qui est plus stressée même que l'homme? Ah oui, c'est un poids psychologique pour la femme qui a du mal à concevoir. Elle est indexée, comme je venais de le dire tout à l'heure, elle est indexée. Parfois même, on lui dit, on lui demande, est-ce que tu n'as pas fini de... Tu n'as pas fini ta jeunesse, est-ce que tu n'as pas, est-ce qu'il n'est pas temps de nous donner un enfant? Et elle a ce poids-là, déjà, elle a ce stress-là qu'elle gère intérieurement, et elle doit encore gérer le stress, le poids que lui met la société. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça le problème de la femme qui, à un certain âge, n'a toujours pas conçu. D'accord. Alors, oui, docteur, nous entendons souvent dire... un peu partout, à la jeune fille, écoute, fais très vite, déjà après 25 ans, la ménopause se rapproche, donc presse-toi et fais très vite un enfant. Est-ce que cela est effectif? Est-ce que l'âge, en plus d'être une source de stress à 25 ans déjà, la femme doit s'inquiéter et courir faire un enfant? Alors, c'est un peu caricatural. Courir faire un enfant, de toutes les façons, c'est pas la chose à faire, puisque pour avoir un enfant, il faut en avoir la capacité sociale. Question responsabilité.
Oui, si on fait les enfants, il y a des responsabilités sociales qui suivent. Ce qui fait que, de toutes les façons, malgré tout, ce sera difficile de courir à aller faire un enfant. Oui, mais vous savez, vous parlez de responsabilité sociale. Généralement, on entend dire un enfant, il ne va pas manger du sable. Vous êtes peut-être dans des situations difficiles. Aujourd'hui, demain sera meilleur. Oui, mais demain, pour la femme, il peut être impossible de concevoir. Fais-le aujourd'hui, advienne que pourra. C'est des observations, des remarques, des propos que l'on tient à la femme. Est-ce que cela ne la mène pas à se stresser? Évidemment, c'est une question de genre. Je préfère ramener le débat sur ce terrain parce que de toutes les façons, la femme est traitée ainsi pour le rôle social qu'on lui attribue. Pas parce que c'est un individu. Comme l'homme. Mais on lui attribue le rôle d'être fertile, féconde et de devoir faire des enfants. De devoir faire des enfants. De devoir faire oui, des enfants. Oui, elle doit faire des enfants. Elle ne peut pas, il n'est pas question qu'elle finisse sa vie sans avoir fait les enfants. Oui. Elle doit ça à la société. Voilà. Mais est-ce que physiologiquement, toutes les femmes sont-elles conçues pour avoir un enfant? Alors, toute femme bien constituée est bien pourvue pour avoir un enfant. Toute femme bien constituée, puisqu'il y a des malformations. Et donc, les malformations sont des cas anormaux. Et en dehors de ces cas, normalement, toute femme pourrait procréer. D'accord. Ces anomalies dont vous parlez, est-ce qu'elles sont visibles à l'œil nu ou est-ce qu'il faut forcément consulter pour s'en rendre compte? Alors, lorsqu'il y a des malformations, il y a diverses catégories de malformations. Donc là, il y a des malformations légères et des malformations criardes. D'accord. Donc, les malformations criardes, c'est celles-là qui font que, par exemple, la personne est constituée comme une femme, mais n'a par exemple pas les attributs sexuels extérieurs clairs. Donc les cas d'ambiguïté sexuelle. Vous voulez parler des hermaphrodites? Hermaphrodite est un terme péjoratif. Ah d'accord. Parce que hermaphrodite, ça veut dire qu'on est et femme et homme. Oui. Et on va s'auto-féconder. D'accord. Voilà. Une plante hermaphrodite s'auto-féconde. D'accord. Mais ce n'est pas le cas de l'être humain. Mais c'est juste qu'il y a une ambiguïté oui, l'être au niveau humain du type qui a les deux sexes. Comment les appelle-t-on Un être humain ne peut pas avoir les deux sexes. Vous êtes sûr? Certain. Il n'est pas possible d'avoir les deux sexes. Je ne peux pas avoir dans mon code génétique et des chromosomes XX et des chromosomes XY. C'est ça le sexe. D'accord. Le sexe est chromosomique. Donc mes cellules sont calibrées pour soit masculin, soit féminin. Mais il y en a mais qui sont, il y a qui sont des pas anomalies, développées. Qui... Des anomalies de développement. Ok. Elle est femme, mais on constate peut-être qu'il y a une bouture quelque part qui ressemble à un sexe masculin. Une femme a un clitoris, et le clitoris est un organe érectile comme le pénis. Donc il peut être hypertrophié, mais ça ne veut pas dire que c'est un pénis qui est là. Donc attention à ne pas confondre et à ne pas stigmatiser inutilement. Aujourd'hui, c'est clair que le sexe va se déterminer. Il suffit de faire un karyotype, donc un examen génétique. Oui, mais parfois ce que vous dites, excusez que je vous pose des questions, les femmes qui ont ces caractères, vous les voyez développer beaucoup plus de caractère masculin, elles sont velues, elles sont trapues comme des hommes, elles ont une voix grave, est-ce que ce ne sont pas, docteur, des signes qui peuvent confirmer ou attester de ce que vous semblez ne pas affirmer là? Pas tellement. D'accord. Parce qu'une femme bien constituée, bien féconde, qui a eu plein d'enfants, peut bien avoir un hirsutisme, comme on le dit, peut avoir un développement
excessif de poils parce qu'elle sécrète plus de testostérone un peu que les autres. C'est pas spécial. C'est pas spécifique. D'accord. Mais la femme, quand elle éprouve des difficultés à concevoir et qu'elle vient vous voir, je suis persuadé qu'elles sont nombreuses dans ces cas à passer vous voir. Est-ce que quelque part le stress ne constitue pas un obstacle justement à la procréation lorsque leur âge avance? Alors, lorsque l'âge avance, oui. Le stress complique la prise en charge. Mais le stress n'est pas l'obstacle. Ah, d'accord. Parce que de toutes les façons, il y a une raison ou plusieurs raisons qui freinent la fécondité de cette femme. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes de ces raisons? Alors, déjà, quand on parle de l'âge qui avance, c'est variable. Alors, la femme a une horloge biologique. C'est pas pareil pour l'homme. L'horloge biologique de la femme est réglée de sorte que à partir de la moitié de la vie, je vais dire, parce que bon, globalement, un homme vit longévite autour de la centaine. Donc, quand la femme aborde la cinquantaine, les attributs procréatifs s'arrêtent de fonctionner. Donc, le cycle menstruel s'arrête parce que les ovaires tombent comme en panne. Et en panne définitivement, plus rien à faire, donc les règles ne viennent plus. Et c'est vers ça que la course contre la montre démarre. Ce qui fait quoi? Que proche de la quarantaine, beaucoup de femmes risquent de se retrouver en situation d'infertilité. D'infertilité par déficit de qualité au niveau des ovaires qui tendent déjà vers la pose. Donc, voilà ce qui va le plus jouer dans le sens de l'âge au niveau de la femme. Donc, plus elle prend de l'âge, plus de façon physiologique, elle a des difficultés à concevoir spontanément. D'accord. Sans complication, sans qu'il n'y ait rien eu auparavant. Jennifer disait tout à l'heure que déjà à 25 ans, on commence à mettre la pression aux jeunes filles de faire rapidement un enfant. Parce qu'aujourd'hui, vous avez dit, c'est autour de la cinquantaine que les ovaires commencent à aller en pause. Oui. Mais aujourd'hui, déjà autour de la quarantaine, on constate qu'il y a des femmes qui sont ménopausées. Bien sûr, et ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est de tout temps. Mais le phénomène serait plus criard de plus en plus. Ce n'est pas comme autrefois. Non, je peux certifié en tant que gynécologue que ça ne s'est pas déplacé. Il y a peut-être le fait de la médiatisation, peut-être le fait de la communication plus ouverte. On entend de plus en plus parler de la ménopause de Jeannette ou de Pierrette, mais de toutes les façons, c'est un phénomène qui a toujours été un phénomène personnel qui ne va pas se diffuser si tant. Mais l'âge de la ménopause demeure autour de la cinquantaine et on voit des femmes au-delà de la cinquantaine et des femmes en deçà de la cinquantaine. En deçà de la quarantaine, c'est plutôt précoce. Et il peut y avoir des raisons. Surtout des raisons liées à l'abus de médicaments. Parce que aujourd'hui, effectivement, l'automédication est un fléau. L'absence de contrôle au niveau des officines où on va se servir manu militari, ce qu'on voudrait, sans ordonnance, sans diagnostic. Beaucoup de femmes vont chercher des produits stimulants de l'ovulation, en oubliant que lorsqu'on utilise un médicament pour stimuler l'ovulation, on fait fonctionner l'ovaire des centaines de fois plus que le fonctionnement physiologique. D'accord. Ce qui fait que le délai de la pause se rapproche. Donc, on pourrait assister effectivement à un regain de précocité de l'âge de la ménopause si ce
type de phénomène est très fréquent. D'accord. Madame Tchikou, vous avez parlé tout à l'heure de la pression de la société qui définit la réussite d'une femme par son mariage et sa conception. J'aimerais avoir votre regard sur la situation. Le docteur vient de le dire, il n'y a pas un champ où on pourrait aller cultiver un enfant ou un marché où on peut aller acheter un enfant. Ça ne dépend pas forcément de la femme parce que la femme ne se forme pas elle-même. Ce n'est pas la femme qui détermine, sinon définit sa constitution physiologique. D'accord, mais je suis curieuse de savoir d'où vient cet acharnement, parce qu'on a plusieurs personnes, connues ou pas, qui, à défaut d'avoir d'enfants, subissent des pressions et beaucoup, beaucoup d'attaques. Est-ce à cause de la société dans laquelle nous sommes ou est-ce à cause d'un manque de compréhension des choses? Je dirais que c'est la société dans laquelle nous sommes qui l'ont définie en partie, puisque c'est la société qui nous met cette pression-là. Tout le monde a d'enfants, toi aussi, tu dois en avoir. Et il y a les parents également qui aimeraient avoir des petits-enfants, qui se disent, telle personne a de petits-enfants, moi-même, j'ai envie de mettre mon petit-fils ou ma petite-fille au dos et tout. Donc, on veut faire comme les autres, on veut avoir, je ne sais pas, on veut... S'assurer la continuité, sinon la continuité, sinon la survie de, du nom, je ne sais quoi. Donc, voilà. Mais vous savez, madame, parfois, on pointe du doigt certains comportements. Quand la femme n'arrive pas à procréer, on estime qu'elle s'est mal comportée dans sa jeunesse. Soit qu'elle a assez avorté ou qu'elle a abusé des méthodes contraceptives dans sa jeunesse. Oui. Est-ce que c'est toujours le cas, monsieur Agosu? Parce que vous avez parlé d'anomalie. Est-ce que cela est génétique? Est-ce que c'est à la naissance? Ou est-ce par abus d'avortement ou de médicaments? Alors... lorsqu'une femme n'arrive pas à procréer, et là, je prends le cas de la femme qui est en difficulté pour procréer et que le diagnostic est posé. Je ne prends pas le cas d'un couple qui est en situation de désir de maternité et qui va se soigner ou qui ne le fait pas. Parce que c'est souvent ce cas qui est fustigé ou qui est traité en société. En société, c'est le couple qui n'a pas encore eu de grossesse ou bien qui n'a plus eu de grossesse. Et tout de go, sans autre diagnostic, de toutes les façons, ça devrait être de la faute de la femme. Ça, c'est le regard social ordinaire de l'entourage et du conjoint. C'est ce qui n'est pas forcément vérifié. Parce que les raisons de l'infertilité étant multiples, étant 40%, 40% de chacun et 20% les deux, donc à 40%, c'est l'homme, à 40%, c'est la femme, et les 20% restants, c'est les deux. Donc, en fait, la femme n'est pas plus incriminée que l'homme dans les difficultés de conception du couple. Mais malheureusement, on constate que c'est la femme qui est plus incriminée par la société. Question Jean, c'est elle qui porte la grossesse, c'est sur elle qu'on voit la grossesse. Oui. Et par conséquent, si la grossesse ne vient pas, c'est elle qui n'est pas arrivée. Déjà, c'est le machisme aussi qui empêche que l'on ne s'exprime vers l'homme pour qu'il présente sa situation. Donc, c'est des situations qui nous compliquent la vie. Moi, je m'exprime en tant que praticien. Là, vous avez des situations d'infertilité où la femme a déjà conçu une fois avec le même homme. Et ça fait quelques années, ils veulent réessayer. Et ça ne marche pas. La femme vient en consultation avec le consentement du monsieur. Vous explorez la femme, tout va bien. Vous demandez au monsieur des explorations. Il dit non. De toutes les façons, moi... Il se porte bien.
si vous voulez, je vais faire des enfants en ville et je vais vous montrer. C'est, ça augmente le stress de la femme. C'est tellement con. C'est tellement con comme expression. Parce que quand il sort, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à la jeune fille qu'il voit là, « Oh, toi, tu sais, moi, si ma femme n'avait pas des problèmes pour concevoir, je ne viendrais pas te voir. » Mais qui est dupe? La petite lui ramène l'enfant le mois prochain. Mais il a trouvé ça où, lui? Il n'en sait rien. Donc, c'est des situations vraiment courantes. Il y a des situations même pires. L'extrême. Les extrêmes que j'ai vécu, c'est des couples établis depuis 10 ans, aucune grossesse dans le couple. Le mari, ça, ayant fait même les explorations et sachant que c'est lui qui est infertile, a trouvé quand même une astuce pour que la dame ne soit pas au courant pendant 10 ans. J'étais là quand le couple est venu me consulter. Bon, je crois que j'ai été mauvais médecin cette fois-là parce que... Vous avez déclaré... Ils sont venus ensemble. Ouais. On a fait les bilans ensemble. Tout était clair ensemble. Vous avez communiqué donc, le résultat. Nous avons communiqué ensemble et moi, je ne savais pas l'histoire. Ah, d'accord. Et le couple, là, s'est séparé, oh là malheureusement. La femme, elle est allée avec un autre. Dans l'année qui a suivi, elle est tombée enceinte. Mais avant, quelle ne fut pas sa détresse? Elle était venue toute déprimée, toute maigre. Mais après l'accouchement, elle était toute radieuse, toute épanouie. Mais docteur, est-ce qu'il y a des situations irrévocables où, je dirais, comme une sentence, le couple ou la femme n'aura jamais d'enfant? En fait, il n'y a rien à faire. Ça n'existe pas. Même les cas les plus extrêmes? Il n'y a aucun cas extrême. Parfois, on entend... On entend parler de dystrophie ovarienne. Est-ce que ça ne complique pas la tâche à la femme lorsqu'il y a ce dérèglement hormonal? Tout à fait. Toutes les situations anormales sont des obstacles. Mais il y a toujours un moyen de contourner l'obstacle. Donc, si un traitement médical n'existe pas, si un traitement chirurgical n'existe pas, il y a encore la fécondation in vitro. D'accord. Et les autres techniques de procréation médicalement assistée. D'accord. Nous en reviendrons à la procréation in vitro parce que en Afrique, ce n'est pas encore accepté comme cela est accepté ailleurs. Nous allons en parler tout à l'heure. Il y a déjà notre sociologue, docteur Tatiana Kompe, qui est en ligne. Bonjour, docteur. Bonjour. Voilà. Nous parlons de la procréation chez la femme. Quand l'âge avance, cela devient un stress pour la femme. La société porte des regards. En tant que sociologue, quels sont ces regards? Pourquoi la société accable-t-elle la femme qui ne conçoit pas vite? Au fait, les concepts femme et les concepts enfant ont leur définition suivant les aides culturelles. D'accord. Au niveau de certaines sociétés, l'enfant, c'est une richesse. Et c'est la femme qui engendre. Donc là, la femme a droit à la procréation. Et si la femme ne procrée pas, là, ça donne toutes les formes de complications. Ça veut dire que cette femme n'est pas une femme bonne pour l'homme. Cette femme, c'est-à-dire... ne permet pas la génération à venir. C'est une femme qui n'a pas de valeur au niveau de la société. Parce que pour reconnaître une société, il faut la fertilité, la fécondité de la femme. Comme on le dit, la femme, c'est une institution. C'est elle qui crée la société. Donc pour cela, on donne tous les titres à une femme qui n'accouche pas. Souvent, on les traite même de sorcières, de tout.
Mais pourquoi on ne voit pas le problème du côté de l'homme, docteur Komla Gosu a exposé un cas tout à l'heure où c'est l'homme qui était fautif et toute la société pensait que c'était la femme. Quand cela arrive, pourquoi la société continue-t-elle toujours de mettre toute la charge, tout le poids sur la femme? Parce que souvent l'homme, on le définit comme soumblébé. Mm-hmm. C'est celui qui est un guerrier qui va à la conquête. Oui. Et tu parles d'un guerrier qui n'est pas fertile, qui n'est pas puissant. La société ne peut pas t'accepter ça. Mm-hmm. Parce que quand on fait naître un garçon, c'est une richesse pour eux. Donc ils se disent nécessairement avec tous les systèmes culturels qui tournent autour de l'éducation de cet homme-là, c'est normal qu'il soit un homme fertile, fécond. Mm-hmm. Donc s'il rentre dans le plan culturel, le plan où l'homme devient impuissant, c'est rare qu'ils acceptent. Même l'homme même n'accepte pas. Mmh. Il faut travailler réellement sa psychologie avant qu'il ne reconnaisse que la faute ne vient de lui. Alors, quelles sont les extrémités auxquelles on peut aboutir hein, lorsque la femme ne conçoit pas? Est-ce que les beaux-parents peuvent arriver à faire sortir la femme de chez leur enfant et amener une autre femme? Est-ce que ce sont des cas qui se produisent? Ça, c'est même des cas courants. Mmh. C'est des cas courants. Il y a même si l'homme a l'amour, il persiste pour dire que c'est sa femme qu'il aime, quel que soit ce qui arrive, c'est sa femme qu'il va garder. Mais finalement, il cède la place à sa famille au profit de la femme. Sauf si cet homme-là a une culture occidentale. Mais s'il se retrouve dans une société traditionnelle, quel que soit son rythme, il finit par céder. D'accord. Madame Kongpa. Est-ce qu'il n'y a pas un travail alors à faire sur la mentalité de notre société compte tenu de toutes les attaques dont est victime la femme? Oui, notre société, nous sommes en face d'une forme d'acculturation. On a un peu le traditionnel, on a un peu l'occidental. Donc du coup, l'enfant c'est une richesse. Et tant qu'un enfant est considéré comme une richesse, la femme sera toujours confrontée à cette situation-là. Et est-ce qu'on ne pourrait pas s'en sortir avec un peu plus de sensibilisation et d'avancement de l'éducation, etc.? Oui, on va sensibiliser. Mais la société traditionnelle a tellement des normes culturelles qui nous ont inculquées à tel point où l'éducation, sur le plan des instructions, sur le plan culturel à la maison, on vient toujours sur notre éducation en général. Parce que c'est la société qui nous forge. Mmh. C'est lui qui nous donne l'idéal pour que nous devons être. Donc, si c'est ça, on est obligé de traduire notre société en société occidentale. En société occidentale. Mmh. Ce qui n'est pas possible. Mmh. Parce que nous avons des cultures que les autres n'ont pas. Ah, on ne peut pas transposer la culture des autres sur notre culture. D'accord, très bien. Oui, vous l'avez dit, hein, nous avons des cultures que les autres n'ont pas et l'une de ces cultures que nous avons et que les autres n'ont pas, c'est le recours aux pratiques traditionnelles. Vous restez en ligne, madame. Je parle à l'invité au plateau, vous restez en ligne, madame. Lorsque la femme, elle a exploré le côté de la médecine moderne et que ça ne marche toujours pas, est-ce qu'elle n'est pas aussi tentée d'aller même à des extrémités du côté de la tradition? Oui. Et qu'est-ce qu'elle peut faire? À quel prix elle peut vouloir avoir un enfant? C'est de commencer d'abord par fréquenter les guérisseurs traditionnels, mm-hmm. des tisanes, mm-hmm. Des bains de purification, parce que tonton te dit que c'est la tante au village qui ne veut pas que tu... Enfante. Donc, des bains traditionnels, des tisanes et tout. D'abord, des bains traditionnels parce que
La maman te dit ou la belle-mère te dit, voilà, je connais quelqu'un qui fait des tisanes, est-ce que tu ne vas pas l'essayer? Mmh. Il l'a fait pour telle personne, est-ce qu'il ne faut pas l'essayer? Donc, on commence d'abord par là. Mmh. Et après, on vous parle d'un charlatan ou d'un marabout. J'en connais qui sont allés jusqu'à se faire enceinter finalement par des marabouts. Mmh. Et allant de marabout en marabout, de charlatan en charlatan, ou même des hommes, des religieux. Mmh. D'accord. Quelle doit être l'attitude de la femme dans ce cas où elle essaie d'avoir un enfant, l'âge avance, mais elle est prête et qu'elle n'y arrive pas? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Moi, je parle de mon cas. Mmh. D'accord. J'ai essayé l'assistance médicale. D'accord. Pendant 2 ans. Au bout de ces 2 années, franchement, j'étais stressée. D'accord. Au début de chaque règle. Okay. À un moment donné, je me suis entendue avec mon gynécologue. Je lui ai dit de ne pas s'énerver, mais franchement, que j'allais arrêter. Parce que c'était un poids psychologique pour moi. De voir au début de chaque règle me dire, voilà, j'ai encore échoué, alors que ça ne venait pas forcément de moi. Donc, il n'y avait pas de problème, mais... il insistait pour qu'on provoque. Donc des injections et tout, et puis j'ai dit au bout de 2 ans, je ne veux plus. Et j'ai arrêté. Mmh. 6 mois après, toujours avec le désir de faire un enfant à mon époux, j'ai commencé à prendre des tisanes pendant 6 mois, et ça ne donnait toujours rien. Et je dis, j'arrête tout. Ça vient quand Dieu voudra. Je ne me mets plus du tout la pression, plus de stress lié au désir d'avoir un enfant. Il y en a qui n'en ont pas, mais qui sont quand même heureux. À défaut d'avoir un enfant, on a encore la possibilité d'aller en adopter. Oui. Il y a plein d'autres possibilités. Si au bout de 2-3 ans, je n'en ai toujours pas, j'essaierai peut-être une fécondation in vitro ou quoi. Vous n'avez pas un instinct, vous n'avez pas été à un moment donné, c'est vrai que c'est contre la morale, mais il y a certaines femmes qui vont voir dehors pour voir si entre-temps ça peut marcher, et puis on ramène une grossesse. Je ne l'ai jamais essayé. Non, je ne dis pas que c'est vous, mais est-ce qu'il n'y a pas certaines femmes qui Hier encore, je lisais sur un réseau social, je pense que c'était WhatsApp, une femme à 47 ans qui n'avait toujours pas d'enfant et dont le mari est infidèle. Et la première fois où elle a voulu tromper son mari, elle est tombée grosse. Et on nous demandait quelle serait ta réaction si tu étais à la place de cette dame. Mmh. Donc ça arrive. Ouais. Et si vous étiez à la place de cette dame-là? Heureusement que je ne suis pas à la place de cette dame. D'accord, mais docteur. Si j'étais à sa place, c'est clair que j'allais garder la grossesse. D'accord. Et docteur, si vous étiez à la place de cet homme, il faut déjà qu'il soit informé, parce que c'est la question qui a été posée. Même si je suis informé, je serai content. Ah. Puisque c'est ce que je cherche. Ouais. D'accord. En tout cas, docteur, hein, quand on suit l'exemple de Madame Tchikou, est-ce que quelque part, vous avez dit, le stress complique la prise en charge? Comment cela peut-il être possible? Alors, c'est pour ça que le... C'est un peu psychologique parfois? L'assistance psychologique ou l'accompagnement psychologique est une chose importante. Ce qui ne fait pas partie de notre coutume médicale ordinaire. Il faut l'aide d'un psychologue. Ce n'est pas de la folie. Ce n'est pas de se sentir fou que d'aller voir un psychologue. Un psychologue, c'est un praticien dont le job, c'est de s'asseoir, d'écouter les gens, de leur permettre de dire les choses qu'ils ne peuvent pas dire et qui leur pèsent sur la conscience. De se vider. C'est un exutoire naturel. Après, ils disposent de quelques techniques, de quelques clés pour permettre à l'autre de se renforcer. De booster sa personne ou sa personnalité pour pouvoir faire face à ces difficultés, parce que nous avons une structuration différente du fait de nos expériences individuelles. Moi, je suis médecin,
je suis intrépide face à la maladie. Mais ce n'est pas votre cas. S'il y a un cas de maladie à côté de vous maintenant, vous risquez de paniquer rapidement tous. Mais moi, bon, j'ai le temps de regarder et de m'assurer que ce n'est pas compliqué. Pas de souci, on peut gérer. D'accord. Donc, voilà comment le stress prend le pas. Le stress est le résultat de la peur, en fait. Voilà. Quelle doit être l'attitude de l'homme, du partenaire dans ce cas-là? Alors, normalement, dans un couple, quand on a un besoin, il est commun. Surtout si le besoin est un besoin qui demande la participation des deux. Pour créer, il faut bien une insémination pour qu'il y ait une fécondation. Tout à fait. Donc, l'homme va apporter et la femme va transformer. Si on fait une allégorie avec. Alors, lorsque le succès n'est pas à la clé, le minimum, c'est d'accompagner la femme. C'est le minimum. L'homme doit, il se doit d'accompagner sa femme pour aller découvrir d'où vient le problème. Une fois que la source du problème est connue, les solutions sont proposées. Et les solutions doivent être prises de façon consensuelle, ce qui va permettre normalement la pérennité du couple, parce que c'est a priori la finalité. Mais vous savez, généralement, les femmes n'aiment pas que les hommes les accompagnent justement pour aller découvrir la source du problème. Peut-être parce qu'elles se disent, est-ce que ce n'est pas dû à un avortement clandestin qu'elles avaient eu à faire et qu'elles n'ont pas déclaré au monsieur? Une fois chez le médecin, tout cela va être mis... Ça va se savoir. Ah, voilà. Et puis, à ce moment-là, elle pourrait perdre son homme. Et en se faisant, vous recevez seule la femme. Est-ce qu'il n'y a pas de ces cas? Je me pose déjà la question de savoir si on devrait perdre son homme juste parce qu'il est au courant maintenant qu'on a fait un avortement. C'est bizarre. Parce que vous n'êtes pas son premier, vous le saviez. Alors, je ne vois pas d'où vient la nouvelle posture qui serait de se mettre en contradiction parce que son histoire a fini par se révéler. C'est une histoire qu'elle a depuis et pourtant vous l'avez désirée. C'était une parenthèse. C'est vrai que les antécédents de fausses couches provoquées, qu'on appelle avortement provoqué ou IVG de façon caricaturale, peuvent être des sources de complications. D'accord. Lorsque la pratique n'est pas bien, ou même des fois où tout a été bien, puisque c'est des conséquences possibles. Même un avortement spontané peut se compliquer de problèmes de fécondité secondaire. Et les problèmes sont liés aux complications sur la trompe. Il suffit que les trompes se bouchent entre griffes. Et ça, c'est irrémédiable. Lorsque les trompes sont bouchées, on ne peut pas revenir en arrière. D'accord. On ne peut pas les refaire. On ne peut pas les déboucher. Dans ce cas, c'est les implantations in vitro qui sont la solution. Voilà. Donc, dans ce cas, il faut bypasser la voie naturelle et apporter la grossesse au sein de l'utérus. D'accord. Est-ce qu'il y a un moment, est-ce qu'il y a une période où il faut attendre pendant un certain temps avant de décider de faire ces inséminations, par exemple? Il n'y a pas de moment. De toutes les façons, si c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. C'est-à-dire quoi? On ne va pas demander, on va pas proposer à une femme d'aller faire une fécondation in vitro quand tout ce qui est anatomique est normal. L'utérus est normal, les trompes sont normales, elle a des règles régulièrement, les analyses hormonales qu'on a faites sont normales. Ce n'est pas la fécondation in vitro d'abord. Ah d'accord. Non. Il y a des soins qu'on peut lui apporter. Pour stimuler. Et il faut questionner l'homme, d'abord. D'accord. La dame va bien. Et si l'homme ne veut pas faire connaître son état, mais comment veut-il que de façon scientifique le médecin se comporte? D'accord. Le problème sociologique revient. Oui.
C'est-à-dire qu'on considère le médecin comme le bocconon. Nous ne faisons pas de divination en pratique médicale. Tout Béninois que je suis et que j'ai cette culture de divination aussi, on ne m'a pas appris à la faculté de médecine à deviner ou à diviner pour connaître les résultats. Vous posez le diagnostic. Je pose le diagnostic sur la base d'analyses faites. Absolument. Ce que l'homme, souvent, refuse ou met une barrière, il trouve des subterfuges. D'accord. Et ça fait traîner en longueur. Oui. D'où le stress de la femme. D'accord. Parce qu'elle se rend compte très bien que le type est en train de jouer à un jeu qui lui fait perdre du temps. Elle n'a pas la possibilité de se séparer de lui ou d'aller se chercher un autre en attendant. Ce que l'homme fait facilement. Oui. D'accord. D'accord. Si une femme mettait du temps à accepter de porter une grossesse, il est facile à un homme de la tromper, d'aller faire un enfant dehors. Personne ne dirait rien, personne ne trouverait ça anormal. Donc vous voyez que la question du genre qui se pose tout à fait est une question profonde. Oui. Nous allons rapidement passer au message. Il y a Élisée qui nous dit ceci. Beaucoup de messages viennent d'ailleurs. C'est parce que la femme regarde la société qu'elle voit son regard. Tout le monde ne peut pas être parent. Quand ça ne vient pas, il faut concentrer son énergie sur autre chose. Aujourd'hui, il y a tellement d'enfants dans les orphelinats. Les Africains doivent réfléchir au-delà du sang. On dit souvent que c'est celui qui élève l'enfant qui est son parent. Il est temps de changer nos mentalités. Anissée Adanzounon nous dit « C'est les femmes civilisées ou instruites qui ont ce problème, sinon les femmes du village n'ont pas ce problème. » Je ne sais pas. C'est Anissée Adanzounon qui le dit. Et il y a Jacques Dossuyovo qui dit « Si la femme pouvait procréer à n'importe quel âge comme l'homme, l'inquiétude ou le regard ne serait pas aussi déterminante autant pour la société que pour la femme elle-même. Au village, à 16 ans déjà, elles ont déjà commencé par essayer leur capacité à garder une grossesse, alors qu'en ville, il faut qu'elles finissent d'abord les études et trouver un emploi stable avant de s'y mettre, même si dans cette quête, il y a des méthodes contraceptives par endroits ou de petits avortements. Madame Claire Ougain-Ayemonan nous dit, dans presque toutes les sociétés, l'homme se marie généralement pour faire des enfants et assurer la pérennité de la famille. On voit donc la femme a priori dans un rôle de reproductrice. Dès lors qu'elle ne comble pas les attentes à ce niveau, le regard de l'homme, de la famille et de la communauté est tout de suite interrogateur. On se demande ce qui se passe, on lui manifeste de diverses manières. Les plus indélicats n'hésitent pas à se montrer injurieux, la traitant de femme stérile alors que parfois elle n'en est pas la cause. Les fécondités peuvent provenir de l'homme. Et elle ajoute ceci, toujours Madame Claire Ougain-Ayemonan, elle dit à quel prix désire-t-elle avoir au moins un, à tout prix, en fonction de ses moyens, des ressources du couple et des causes de non-procréation, les soins médicaux, soins traditionnels, procréation médicalement assistée, recours à une mère porteuse, tutelle de neveux et nièces qui finit souvent par la déception. Et il y a également l'adoption. Et elle dit ceci, certaines tentent aussi des solutions illégales au risque de se retrouver en prison, enlèvement de bébés, supposition d'enfants, faux et usage de faux en matière de déclaration de naissance. Madame, voilà ce que la femme peut-elle peut-être amenée à faire dans la quête d'avoir un enfant. Est-ce que finalement, comme on le dit, lorsque vous faites tout et que l'enfant ne vient pas, est-ce qu'il ne faut pas changer de mentalité et dire « bon, ça ne s'est pas venu » et puis vous continuez votre vie même si votre homme doit partir? Oui, je viens de le dire tantôt. Quand ça ne vient pas, c'est que ça ne vient pas et on n'y peut rien. Il vaut mieux changer de mentalité, s'accepter tel qu'on est, accepter cette volonté de Dieu et aller de l'avant. Oui, tout à fait. Quitte à ce que l'homme s'en aille ou qu'il prenne une autre femme. Voilà. Alors, madame la sociologue, vous êtes toujours au téléphone, j'espère? Oui. Voilà, vous avez suivi les réactions qui vous ont précédé. Vous avez écouté également les messages de nos internautes. Finalement, beaucoup optent
plutôt pour le traitement traditionnel. Et il y a certains cas, on met au monde des enfants mal formés. Est-ce que vous préconisez que, bon, comme nous sommes en Afrique, qu'il faut faire le traitement traditionnel ou bien aller à la médecine moderne? Une chose est sûre, une méthode a ses conséquences. Chaque méthode a ses conséquences. Vous optez pour la méthode traditionnelle, cela a ses conséquences, tandis que la méthode moderne aussi a ses conséquences. Le reste, c'est une méthode à la nature, une question de défis. Mais la femme, quelle que soit l'école dans laquelle elle se trouve, elle a toujours fait le cœur quand elle n'a pas d'enfant. C'est ça. Elle a toujours fait ce mal au cœur, on n'a pas d'enfant. Alors, donc, moi, je me dis, la seule méthode fiable, c'est de se confier à Dieu. Se confier à Dieu. Néanmoins, on peut pratiquer la méthode, mais être sûr de la méthode qu'on est en train de pratiquer. D'accord. Merci, merci beaucoup, madame. Avant de passer au docteur pour faire un dernier tour de table, un dernier message, celui de Simplice Goudou qui dit ceci. J'ai eu un cas palpable il y a environ 3 ans d'une de mes collaboratrices. Toute la famille de l'homme l'insultait et se moquait d'elle. Mais quand on demande à l'homme de faire des analyses diagnostiques, il refusait. Pour lui et pour sa famille, il ne peut en être autrement. C'est la femme. Il a retiré sa moto et tout ce qu'il a acheté à la femme. Bon, peu de choses. À un moment donné, quand la famille veut toucher à quelque chose pour emporter, la femme démontre que c'est elle qui a acheté. Et c'est vrai, la femme a pleuré, a vécu en autarcie et c'est petit à petit qu'on l'a relevée. Aujourd'hui, elle est enceinte d'un autre homme qu'il aime. L'homme a fini par être convaincu de faire des analyses et on découvre finalement que c'est lui qui avait deux problèmes. Les relations justes. Voilà, docteur. C'est là un témoignage d'un internaute qui vient de nous envoyer un message. Alors, vous êtes médecin, on comprend hein, que face à ce problème, quand l'enfant tarde à venir, vous allez demander forcément hein, au couple de se rendre à l'hôpital. Mais que faire pour justement prévenir cette situation? Alors, pas grand-chose pour prévenir, hein, mais beaucoup de choses aussi. Tout ça témoigne de ce qui se passe, c'est très réel. Mais surtout, l'empressement que les jeunes filles devraient avoir pour procréer est un autre pan de la question qui me permet de m'adresser aux parents et de les encourager à permettre aux jeunes filles qui tombent enceintes trop tôt de faire l'enfant. Ah bon? Oui. Quand les filles tombent enceintes trop tôt, oh, accompagner quel que soit l'âge, ou... une élève, 9 ans. Et une élève, non? Mais ça n'hypothèque pas son avenir, sa scolarité. Quel que soit l'âge, les médecins sont outillés pour dire si la grossesse nuit à la santé de l'enfant ou non. D'accord. Mais en général, moi, je n'ai pas encore rencontré de grossesse avant 14 ans. D'accord. Dans la société, là, c'est rarissime. 13 ans, à la limite, un peu plus de 13 ans. Mais encore, c'est des filles déjà très précoces sur leur développement physique, ce qui leur permet de soutenir une grossesse. Donc, au lieu que les parents soient en opposition et fasse en sorte que la grossesse soit interrompue dans la clandestinité, je leur conseille de tout faire pour que l'accouchement là au moins ait lieu. Parce qu'après, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On ne connaît pas les conséquences de l'acte qui aurait pu être posé. Surtout si ce n'est pas un acte médicalement indiqué, mais que c'est un acte volontaire. Donc, c'est une prophylaxie très importante. Au-delà, les méthodes contraceptives ne sont pas des sources d'infertilité. D'accord. Pas du tout. Mais l'automédication est une source d'ennui.
Il ne faut pas consommer des médicaments de toute nature sans demander un avis médical parce qu'il y en a qui peuvent nuire à la santé, qui peuvent désorganiser la physiologie. Telle femme était dans la même situation, elle a pris tel médicament et ça a marché, et puis en silence aussi. Et ça, c'est très fréquent. Vous avez des patientes que vous suivez, elles vous reviennent. Docteur, ma tante a demandé pourquoi vous n'avez pas encore prescrit tel médicament. Elle m'a même donné un exemplaire. Ça, c'est tout le monde devient docteur. C'est le fléau de l'automédication dans notre société. Et on n'imagine pas, mais c'est très impactant, des fois de façon négative. C'est ça. Donc, beaucoup de choses à prendre en considération, mais au-delà, il y a un travail social ou sociologique qui doit se poursuivre. D'accord. Notre société est en train de se transformer. Tout à fait. La psychologue ou la sociologue, a bien peint le tableau en disant qu'on a une société mixte. Tout à fait. Avec un background traditionnel très lourd et un surnageant moderne. Mmh. En fait, on va basculer dans le modernisme, mais ça va prendre tellement de temps que c'est logique que nous ayons toutes ces lourdeurs-là. Absolument. Travailler beaucoup, surtout que nous puissions intégrer un peu plus l'accompagnement psychologique. D'accord. Parce que le travail des psychologues est un travail qui est, pour le moment, presque absent dans les soins que nous apportons. Pourtant, l'université est en forme assez, hein? Oui, notre université. Oui, et ça, c'est tout un autre point de la question. D'accord, merci. Merci beaucoup, docteur Komlan Agosu. Madame, votre mot de fin Je dirais tout simplement qu'il faut que le couple soit uni, vraiment, parce que avec tout ce stress-là qu'induit le désir d'enfant, les couples n'arrivent plus à profiter l'un de l'autre. Parce qu'on est tellement concentré sur le désir d'avoir cet enfant-là. Et même les rapports sexuels également, on les fait juste pour concevoir. Donc, je pense qu'il faut vraiment se vider la tête, comme on le dit, se vider la tête et se concentrer l'un sur l'autre. L'enfant viendra si Dieu le veut. Absolument. Merci beaucoup. Madame la sociologue, votre mot de fin, très rapidement. Oui, merci, monsieur le journaliste. Oui. Comme l'a dit Dr. Agosu, la femme n'a qu'à prendre toutes ses responsabilités, prendre son temps et respecter son organisme. Si la grossesse a à l'âge de 16 ans, 18 ans, de l'accepter, de ne pas regarder les études pour pouvoir interrompre l'évolution de son organisme. Et ce que j'aimerais conseiller aux femmes, tu as déjà béni la femme. Chaque femme a au niveau de ses entrailles des germes enfants. Donc de se confier à Dieu et tout ira bien. D'accord. Merci, merci beaucoup, Madame Tatiana Kongpe. Vous êtes sociologue. Oui, docteur, veut encore dire un mot. Le temps est... Oh, d'accord, très rapidement. Pour la sexualité, oui. La sexualité, il n'y en a pas pour procréer. Oui. Dans les couples en situation de désir, il y a ce problème qui est la rareté des rapports sexuels. Ça ne donne pas toutes les occasions de fécondité, de fécondation nécessaires au couple. Il faut en faire régulièrement. Très régulièrement. Voilà. Au moins 3 fois par semaine, s'il y a un besoin de conception. Voilà. Sans date. Voilà. Merci, merci beaucoup, hein, merci docteur pour toutes ces précisions. On aurait même voulu aller en profondeur. Parfois, certaines personnes disent que c'est en pleine menstrue que la femme est féconde. Est-ce que c'est vrai aussi c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, oui. Voilà. Merci beaucoup, c'est une question que nous a envoyée un internaute téléspectateur. Merci, c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Nous allons marquer une pause et raccompagner nos invités. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps,
rites au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, braves peuples, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions. De l'Afrique, nous sommes de retour pour aller découvrir les us et coutumes d'une localité du Bénin. Jennifer. Oui, aujourd'hui nous sommes chez les Côte-à-Fonds pour découvrir l'importance du fleuve Mono dans les rituels chez les Côte-à-Fonds. L'importance du fleuve Mono dans les rituels chez les peuples Côte-à-Fonds, c'est ce que nous allons découvrir dans Us et Coutumes. Le fleuve Mono, cette ressource naturelle que Dieu nous a donnée dans la commune d'Atibé, est une forte chance pour nous. Sur le plan religieux, vous savez, l'eau joue beaucoup de rôle dans nos diverses pratiques. Si nous avons des cérémonies à faire, souvent, on a besoin de l'eau du fleuve Mono. D'ailleurs, c'est une eau qui coule. Et l'eau qui coule a une signification. Alors, je disais tantôt que c'est une forte chance que nous avons à Timé. Nous, dans notre tradition, lorsque quelqu'un est malade, ou bien il a un problème spirituel, et il faut le purifier, il faut aller au bord du fleuve Mono, faire les cérémonies qu'il faut, les cérémonies nécessaires. Et maintenant, vous faites le bain. Vous lavez l'intéressé dans le fleuve, dans le lit. Et en même temps, au fur et à mesure que vous le lavez, lorsque le fleuve coule, ça signifie que tous les mauvais esprits qui sont derrière lui, qui l'embêtent depuis la nuit des temps, tout est parti. Et vous savez, l'eau du fleuve Mono est vraiment une eau fraîche. Et de façon psychologique en même temps, l'intéressé se retrouve. Et voilà. Nous avons des interdits qui sont vraiment propres à ces eaux que nous disposons, surtout le fleuve Mono dans la commune d'Atimé. Il y a des jours où il ne faut pas aller. Il y a, si la femme est en période, elle trouve ses menstrues, elle ne devrait pas aller se doucher dedans. Mais aujourd'hui, les gens ont bafoué tout ça là. Même on ne devrait pas aller laver les marmites noires dans le fleuve Mono. Et même faire la lessive dedans. Mais les gens pensent que bon, avec tout ce qu'on racontait, c'est des histoires et que Jésus-Christ est venu tout abolir. Non, je dis non. Donc voilà, voilà. Je m'en vais dire à toute la communauté traditionnelle de toujours considérer tout ce que nous avons comme ressources naturelles, surtout nos eaux de surface, et surtout en particulier le fleuve Mono. Parce que Dieu seul sait pourquoi c'est créé de cette façon et ce que ça doit faire dans la vie de nous, êtres humains, on le sait, parce que nos grands-parents qui n'ont pas connu la pratique des religions importées et ont vraiment respecté les totems, les interdits liés à ces eaux. Et ils ont vraiment vécu de façon très paisible. Aujourd'hui, avec le non-respect de ces mesures pour la sauvegarde de ces écosystèmes, ça fait qu'on ne trouve plus de poissons dedans comme avant. Et donc, respectons la nature et puis on sera vraiment à l'aise. Ah, donc respectons la nature et on sera plus à l'aise. Il a dit le fleuve Mono a une très grande importance pour les populations
le long de ce fleuve, Jennifer. Absolument. Ouais. Malheureusement, on constate, comme il a déploré aussi, que des gens, ils vont laver des marmites noires, ils vont faire la lessive, un peu de tout dans ce fleuve-là. Est-ce que ça conserve toujours cette puissance de purification, comme il a expliqué, Jennifer? Bon, moi, je pense que certainement, Vous êtes ressortissante de la Luka, c'est pourquoi je vous pose la question. Je pense qu'il y a des choses à faire quand même pour dessouiller, si je puis dire, ces eaux-là. Donc, voilà, il faut juste que les personnes qui font ces pratiques, voilà, les personnes avisées, justement, fassent ce qu'il faut. Et ceux qui souillent en question, arrêtent ces pratiques, c'est tout. D'accord, votre message a été entendu. Alors, nous allons passer au prénom africain de Puisière. Nous sommes en milieu Batonou. Prénom africain. Nous recevons une fois encore Djibril Imoru, voilà, ressortissant de l'ère Batonou. Oui. Il est là. Oui. Aujourd'hui, vous avez bien appris, en tout cas. Tu as été un bon élève. Ah oui. Je suis content. Comme toujours. Tu m'y rassures. Ah oui, voilà. Bon, je dis aussi Akunando, alors. Alapia. D'accord. Aujourd'hui, vous nous parlez Akunando, là, je ne me suis pas arrivé. Il ne fait pas encore nuit. Il ne fait pas encore chaud. D'accord, Akunando. D'accord. Anawasi. Tu veux dire Anawasi à Akunando. D'accord. D'accord. Anawasi. D'accord. C'est le matin. Oui. Et le prénom Zimé, c'est ce que vous nous proposez aujourd'hui? Zimé, Zimé. Alors, ça, Zimé. Qu'est-ce que ça signifie? Zimé, Dodi, Zimé. Zimé. Dodi, Zimé. Oui. D'accord. Les deux se disent. Et en langue profonde, ou bien pour les érudits, oui, on dit Kada. Kada. Okay. Mais Zimé, c'est un peu différent de Kada, c'est pas la même Kada, chose. Là. Ça veut dire le caïman dans nos marigots ou dans nos rivières. Ah, d'accord. Et crocodile, là où il y a, par exemple, la mer. OK. Parce que le caïman, vous voyez, sa corpulence, sa forme n'est pas la même chose que le crocodile dans la mer. Ça, Mais ça veut dire caïman. Okay. Comme chez nous, on n'a pas de mer, on a marigot, on a rivière, c'est Kada. D'accord. On appelle caïman. OK, donc Zimé, c'est le caïman? Caïman, c'est le caïman. Alors, le caïman a des caractéristiques. Mm-hmm. C'est pour cela que lorsque vous voulez donner un nom à un enfant, il faut faire beaucoup attention. Mm-hmm. Parce que le caïman, il fait peur. Oui. Le caïman, c'est le froid. Mm. Le caïman, c'est, je ne sais pas. Un animal féroce. C'est l'animal féroce. Parce que lorsque vous traversez une route et que vous allez mettre vos pieds dans l'eau, et qu'on vous dit qu'il y a un caïman, vous voyez, c'est la débandade. Tout à fait. D'autant que l'enfant Simé est un enfant qui fait peur. Mm-hmm. C'est un enfant qui sème la terreur. Il est calme, mais il est dangereux. Mm-hmm. Il est comme l'eau qui ne coule pas. Elle dit, je suis dangereuse, on ne me pénètre pas. Mm. Donc, c'est pour cela que tout le monde veut avoir un enfant Simé. Mais dans quel contexte peut-on savoir qu'un enfant aura toutes ses qualités, tous ses attributs? Mais ça, là, là. Dans quel contexte faut-il donner ce prénom là, à l'enfant? Réalité. Oui, à la réalité. Quelle ici, réalité là, moi, maintenant, là, je veux que mon enfant, là, qu'il soit craint. Mm-hmm. Je veux que l'enfant, que ma femme va mettre, si c'est un garçon, qu'il soit un enfant qui va semer la terreur, mm-hmm, qui va me protéger. Parce que quand même c'est un délinquant qui passe, on dit que là, le caïman, mm-hmm, là, le crocodile aura peur. Ouais. Donc, moi, je veux que mon enfant. Donc, c'est en fonction de, oui, l'intention, oui, de l'intention du parent, voilà, ce qu'il désire, voilà, que son enfant soit, qu'il donne. Alors que pour ce les prénom. Autres, là, c'est par rapport au okay. phénomène c'est naturel. Mais ici, là, là. D'accord. Parce que quand un Simé va te prendre, oui, ah, donc tu peux avoir. Donc, tout le monde souhaite avoir un enfant Simé. Parce qu'il fait peur à ses amis, il fait peur à tout le monde. D'accord. Mais il est calme. D'accord. Il dit, on ne m'embête pas. Donc, caïman, il est bon. Caïma, il est dangereux, on ne s'amuse pas avec. Voilà. Par à l'opposé de l'enfant, chose là, à l'autre, comment vous appelez là, oui, ma... l'enfant crapaud. Lézard. L'enfant crapaud, mm-hmm, le crapaud qu'on a la grenouille, non, oui. Donc chaque fois là, on la porte au dos.
non, c'est pas bon d'avoir un enfant crapaud. D'accord, mais est-ce que tous les Zimés manifestent ce trait de caractère-là? Ils doivent manifester, parce que le nom là détermine l'homme, je vais dire cela. Non. Bien sûr. C'est pour ça que ce n'est pas bon de donner n'importe quel nom à un enfant. Si vous donnez le nom Kaïma à votre enfant, il faut s'attendre à des réactions impulsives, à des réactions de violence, mais il n'est pas agressif. D'accord. Quand vous l'embêtez, quand vous embêtez ses parents, ou bien quand vous lui faites du mal, quand il va vous prendre, vous ne savez pas qui va vous enlever. D'accord. mais dans le contexte des Roku, où nous avons des patronymes zimés, il y en a beaucoup. Oui. Dans ce cas, est-ce que le patronyme agit toujours parce qu'il y a d'autres prénoms qui accompagnent? Bon, patronyme, bon, vous êtes les autres vieux là, que les enfants ressemblent. Ça veut dire que dans toute la collectivité qui porte ce nom, ils sont tous à craindre. Quand on dit caïman, bon, en tout cas, on ne sait pas. Ils sont tous des caïmans dans cette maison-là. On ne s'amuse pas avec caïman dans l'eau, là, il est dangereux. On ne s'amuse pas avec lui. D'accord. Et c'est un prénom mixte ou bien c'est masculin? Oui. Non, c'est masculin. Okay. Une femme ne peut pas s'appeler Zimé? Non, non, non. Et même si le parent le veut? Non, non, non. Non, on ne parle pas. Dieu nous l'a. Chaque sexe à son nom. D'accord. Quand tu entends Zimé, quand tu entends Kora, quand tu entends Koto, ça c'est les noms purement et authentiquement masculins. D'accord. Donc quand tu vas entendre Bekegi, quand tu vas entendre Ganigi, quand tu vas entendre Nyiré, quand tu vas entendre, donc ça c'est féminin. D'accord. Très bien. D'accord. Merci beaucoup. On a beaucoup appris de Zimé. Ah oui, désormais, quand je vais voir, Kada, je saurai qu'ils sont des caïmans. Oui, donc fais attention à votre qu'il faut faire attention. Le caïma te prendre. Mais je connais des Zimés très, très gentils, moi. Oui. Mais provoque-le, tu vas voir. Parce que vous avez dit qu'il est calme. Mais bon, mais lorsqu'on sait qu'il est Zimé aussi, on prend sa disposition. Ah, c'est bon. Voilà. Ça t'est risqué pour lui. D'accord. C'est un choix. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Djibril et Guimoro, nous allons passer à la capture très rapidement. Capture aujourd'hui nous conduit directement dans les assiettes. Jennifer, comme elle aime bien la bouffe. Rock, ne me... non, ne me jetez pas la pierre, on choisit tous les deux. Elle aime bien la bouffe. Tu dis qu'elle aime la bouffe. Moi, je n'ai pas vu, tu n'as pas déposé un plat devant elle. Merci beaucoup, monsieur Imo. Monsieur Imo, c'est parce que, attendez, à la fin de l'émission, vous allez la voir. Bon, d'accord, mais tu dis qu'elle fait manger, mais tu n'as pas bien plat. C'est elle a souvent... C'est quand on a servi quelqu'un, là, on voit si elle est bouffe. Oui, d'accord avec vous. Elle a souvent de bonnes idées de bouffe. Mais voilà, justement, c'est une qualité. Les femmes qui prennent préparer, ce n'est pas la peine de nous. Alors, Jennifer, aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous proposez dans votre assiette? C'est un plat que, malheureusement, on ne va pas goûter, mais je suis sûre que les téléspectateurs vont aimer à la vue. Bon, c'est déjà... Déjà à la vue, c'est très, très beau. Nous allons demander à Ange Niquez d'Orego de nous l'afficher en plein écran. Pour qu'on puisse... J'espère que vous savez ce que c'est. Je vois un gros poisson. Oui. Et je vois c'est du piron ou bien quoi? C'est du dakouin. Oh oui, le dakouin. C'est du... Non, là, il y a du piment écrasé, haché. Il y a du piment haché. Là, il y a une aubergine. Et après, il y a aussi du piment. Ah oui, vous avez déjà goûté le dakouin, monsieur Imourou? Pas encore? Oh là là! Vous ratez quelque chose! Je vous le recommande vivement. C'est dans quelle région ça? C'est de la région du Mono, de chez elle. Vous voyez que j'avais raison, non? Comé aussi, pourquoi pas? Oui, Comé, Grand Popo, Agoué. En tout cas, je partais à Grand Popo, mais ils ne m'ont pas. Demandez du dakouin. C'est comme que. Non, il faut demander à manger du dakouin désormais. Ah, le dakouin, c'est un très bon mec que moi, j'affectionne particulièrement. Donc c'est à base du poisson frais. Oui, du gari. De la farine du gari. La farine. Un peu comme du piron, mais ce n'est pas la même préparation. Piron, voilà. Mais ce n'est pas du piron. Hein. Pas du piron. Oui, ils appellent ça dakouin. Dakouin, c'est dakouin. Piron, c'est piron. C'est ça. En tout cas, c'est une bonne recette. Hein. Okay. Si vous êtes en panne de recettes pour votre famille, si vous ne savez pas quoi manger cette journée à midi, eh bien, mesdames et messieurs,
Vous avez de quoi vous régaler. Chez nous, les barbares, là, on doit avoir toujours. C'est pour ça qu'on a un grenier. D'accord. Ça, c'est important. Merci, merci. Alors, c'est le moment, hein, mesdames et messieurs, de passer au clip, de revenir sur le clip du jour. On l'a vu tout à l'heure à l'entame de cette émission. Le petit Farno qui était en vitrine avec Sena Noble. Ouais. Le petit, il est malvoyant, mais il chante super bien. Franchement, je vous invite encore à découvrir. Nous allons danser ici le gorgorou. Vous avez promis danser aux téléspectateurs. Oui, je vais vous regarder je vous note à la fin. Je prends déjà des coups auprès de vous. Vous m'avez dit que c'est comme ça qu'on fait. Hein. Ce n'est pas exactement ça. Alors, nous allons voir ensemble du gorgorou avec Sena Noble et Petit Farno. Bessali l'embrode. C'était Sena Noble en featuring avec Petit Farno. J'ai bien dansé, non? Je vous donne. Combien? 12 sur 20. Oh là là, les téléspectateurs ne seront pas d'accord avec vous. J'ai beaucoup dansé, hein. J'ai fait comme ça. Oui, en tout cas pour l'effort, je vous donne 12. Mais les téléspectateurs diraient on ne reste pas assis pour danser. Pour danser, ça c'est sûr aussi. Ce sont les mauvais danseurs qui restent assis pour danser. En tout cas, moi j'ai essayé de danser. Hein. Faites comme. J'ai aussi essayé. Absolument. Non, vous n'avez pas dansé. J'ai essayé, j'ai fait mes mouvements. Vous n'avez pas du tout dansé. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe de production des réalisations se joint à nous pour vous dire merci. On se donne rendez-vous à samedi prochain pour un autre numéro de votre émission Nopinen, l'émission des fêtes société, l'émission d'humour matinal, l'émission de beaucoup d'informations, d'astuces et bien d'autres. Jennifer tout à fait, Sativi. Tout à fait. Allez, on met un stop à aujourd'hui pour se retrouver samedi prochain. Au revoir. C'est faux le pétrolier.